Bienvenue sur Astroéthique, c'est moi, Sandrine, et je suis là pour vous parler cette fois-ci de cette fameuse entrée de Mars dans le signe de la Balance. Mars qui est rentré le 7 décembre et qui en ressortira le 6 juillet 2014. C'est vous dire l'importance de ce transit dont on entend beaucoup parler. Je vois beaucoup de billets qui circulent sur Internet, j'en ai moi-même fait un. Et alors on est tous là, on se dit mais qu'est-ce qui va se passer? Mais qu'est-ce qui va se passer? Mon Dieu, ça a l'air super important. Et puis ça fout un peu les jetons parce que Mars, on entend que c'est le dieu de la guerre, qu'il va y avoir un climat insurrectionnel, que ça va créer des geysers, de la passion, de la violence, de la jalousie. Même moi je le dis. Et là, du coup, je me suis dit, mais attention, attention, il faut réfléchir quand même au sens profond de l'astrologie et à quoi ça sert. Parce que l'astrologie, c'est pas un jeu de devinettes. Et c'est pas le but de l'astrologie et le but de ce que je vous transmets, c'est pas pour que vous essayiez de savoir à l'avance ce qui va se passer, parce qu'on n'a aucune maîtrise sur les événements. L'astrologie, les planètes, ce sont des énergies qui sont mises à notre disposition et on doit les accompagner. Donc je vais plutôt vous parler de l'énergie de Mars dans ce signe de la Balance et ce que ça vient de nous dire, plutôt que essayer de deviner les événements, parce que vous savez quoi, les événements qui doivent arriver arriveront de toute façon, on ne peut rien faire contre ça. Il faut plutôt essayer de comprendre le sens d'un transit planétaire. Mars est une énergie très active, il va être dans un signe cardinal et réactiver tous les signes cardinaux. Donc pour ceux qui me suivent déjà depuis un certain temps, les signes cardinaux, ce sont les signes qui démarrent la saison, donc il y a quelque chose dans, de l'ordre de « je débute quelque chose, je démarre ». Donc c'est un carré, un grand carré dans le ciel qui est actuellement actif entre les signes de la Balance, du Capricorne, du Bélier et du Cancer, avec Uranus, l'innovateur dans le signe du Bélier, Pluton, le transformateur, celui qui transforme les choses en profondeur dans le signe du Capricorne, donc qui transforme en profondeur nos structures, puisque le Capricorne, c'est la structure, c'est l'ossature. Jupiter en Cancer qui dilate, qui fait que tout est exponentiel, qu'il n'y a pas de... c'est nos limites, et qu'on peut être aussi un petit peu emporté comme ça par une espèce de vague. Peut-être aussi pour qu'on y aille, tout simplement. Jupiter, il jette un peu de la poudre aux yeux, il nous permet pas toujours de voir la réalité telle qu'elle est, mais en même temps, des fois, pour avancer, il faut être peut-être un peu dans le leurre. La réalité nous rattrape toujours, et c'est là que Mars intervient, il rentre en Balance, et Mars, souvent, ben, c'est un petit peu la claque qu'on se prend. Alors, pourquoi la claque? Parce qu'on est nombreux et nombreux à avoir un petit moteur maltraitant pour apprendre. C'est un petit peu la tradition judéo-chrétienne. On n'a pas beaucoup d'amour pour nous, on ne se protège pas, on ne met pas assez ses limites. Et là, on retrouve Jupiter. Avec Jupiter, ben, il n'y a pas de limite. Et c'est vrai qu'en ce moment, la vie nous pousse à nous transformer de fond en comble, à aller au fond de nous-mêmes, à secouer nos bases. On a une perte de repères, il faut trouver de nouvelles sécurités. C'est profondément instable. Il y en a nombreux et nombreuses qui prennent un virage à angle droit et forcément, c'est déstabilisant. Et donc Mars qui vient réactiver tout ça, c'est un petit peu le jet d'eau froide pour nous réveiller, c'est la claque qu'on se prend dans la figure, parce que pour apprendre, eh ben, on a peut-être besoin de cette claque, mais ça peut aussi apporter une énergie du feu de Dieu, parce que Mars c'est une action dynamique, c'est quand même, voilà, c'est le dynamisme, c'est la force. Alors c'est sûr qu'en Balance, il est en exil, il est un petit peu faiblard, mais... voilà, vous allez voir, vous allez être porteur d'une énergie nouvelle. Et puis, bah, si ça va dans tous les sens, bah, ça va dans tous les sens, acceptez-le. Retenez juste une chose, c'est très important. Soyez dans l'action et pas dans la réaction. Hein ? Petit clin d'œil à ma copine Alexandra qui me le dit souvent, elle a bien raison. Il faut être dans l'action et pas dans la réaction. Acceptez aussi un certain lâcher-prise par rapport à tout ce qui va arriver comme événement. Et on ne peut pas savoir exactement, ça va dépendre de votre vie, de là où vous en êtes. Préparez-vous, dites-vous que ça va bouger. Vous savez d'ailleurs, de toute façon, vous-même, vous êtes déjà prêt, vous le sentez. Allez vers ce mouvement et lâchez prise. Ne soyez pas dans le contrôle, dans « je veux tout maîtriser à tout prix », dans le pouvoir. Ça ne sert à rien, parce que vous savez quoi, les événements qui doivent arriver arriveront de toute façon. Alors avec Mars, on peut être tenté de vouloir tout contrôler. J'y vais, je veux, c'est comme ça. Bah, non, ça sert à rien. Tu vas faire quoi? Tu vas danser sur ta tête, te mettre à l'envers, recouvre à l'endroit, secouer ça dans tous les sens. Tu vas perdre une énergie de dingue. Et puis de toute façon,
les événements qui doivent arriver arriveront. Voilà, et je voulais finir ce petit billet en vous racontant une histoire, parce que vous allez voir là, au cours des mois à venir, il y a aussi beaucoup de rencontres en ce moment, des rencontres fortes, des rencontres d'âme à âme. Ce sont des pactes que l'on a avec l'autre âme. Et la vie nous met face à des personnes, fait rentrer dans notre expérience de vie des êtres, que ce soit sur le plan amical, amoureux, qui ne sont pas là par hasard, vraiment pour nous faire avancer. Et c'est un contrat d'âme à âme. Et donc l'histoire que je vais vous raconter, c'est une histoire qu'on m'a racontée il n'y a pas tellement longtemps et que j'ai adorée. C'est Sonia qui me l'a racontée. Et Sonia, elle me dit, voilà, c'est l'histoire de deux petits anges qui sont au paradis. Et ils regardent les humains et ils se disent, waouh, ça a l'air vachement sympa cette expérience sur Terre. Moi, j'irais bien faire un tour parce que franchement, ils ont l'air de vivre des trucs. Ah ouais, ça c'est l'autre petit ange qui répond, waouh, c'est vrai que ça a l'air chouette. Et dis donc, t'as remarqué, il y a quand même l'air d'avoir vachement de victimes et vachement de bourreaux. Ouais, c'est vrai que c'est bizarre quand même ce truc. Mais bon, ils ont l'air d'avoir besoin de ça pour comprendre et pour avancer. Ah bah, si on essayait. Ouais, allez chiche, on y va. Top là, ils sont prêts. Hop, dis le premier petit ange au deuxième petit ange avant d'y aller. Oh, regarde-moi. Hey, n'oublie jamais que tu me l'as demandé. Eh ouais. Donc là, maintenant que vous savez ça, par rapport à la personne qui est rentrée dans votre expérience de vie et qui vous a secoué la pulpe du fond, mis une claque, réveillé d'une façon ou d'une autre, vous vous sentez sa victime, posez-vous la question de savoir si c'est bien vous la victime ou pas le contraire. Mais en tout cas, n'oubliez jamais que vous lui avez demandé. C'était un contrat, un pacte d'âme à âme. Eh oui! Allez, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une belle journée. On se retrouve sur Astroéthique pour des tas de nouvelles choses, puisque Mars, moi, il m'a mis en action. J'ai ma Lune en balance, j'ai Pluton en balance et j'ai Uranus. Alors, je vous dis, ça va. Waouh ! Voilà, je vous fais des gros bisous. Love ! Portez-vous bien, prenez soin de vous, soyez dans la douceur avec vous. Hein ? Ciao ! Thank you.